La collection s'appelle Tie and Dior. Je suis vraiment partie du jeu de la couleur du tie and dye. Les images qui me sont venues, en fait, c'était surtout des taches qui se répandent comme sur du buvard. Un jeu aussi de mouvement avec les couleurs vives, qui contrastent, qui sont arrêtées par des diamants. Pour le défilé de la collection, je rencontre Maria Grazia avec mes dessins. Those stones are not real, but we made those prototypes and then we send to the workshop. It helps them to realize the volume. And I really love. So I found a special color of Tahitian and Australian pearl. I like because it's so poor. Yes, you know that we call them the Venus Tears. That's what I like in this jewelry. You can't define one color. Non, exactly. Je lui explique le thème de la collection et elle imagine des robes. On est parti sur des dégradés, mais qui ne sont pas non plus du multicolore. En fait, c'est une couleur qui dégrade, voilà. J'ai aussi ajouté des perles dans cette collection. Je voulais les traiter comme une couleur. Ce que j'aime bien, c'est tout d'un coup mettre une grosse pierre au milieu de plein de petites pierres. Comme si tout d'un coup, le blanc de la perle coulait sur le diamant. J'aime beaucoup l'idée que les hommes se réapproprient la joaillerie. Donc à la fin, les bijoux peuvent être portés ou sur des hommes ou sur des femmes.